Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver et aujourd'hui nous allons partir pour une vidéo make-up. J'ai eu l'envie de faire cette vidéo puisque je vais vous expliquer une petite story time qui m'est arrivée. En fait cet été je suis allée chez Sephora et je ne sais pas pourquoi j'ai eu un achat totalement compulsif de deux sets de maquillage, donc des miniatures. Et en fait c'est des produits auxquels je n'ai absolument pas touché depuis que je les ai achetés. Et en fait au dos du ticket il y avait marqué que les retours de produits pouvaient être faits à tout moment, en fait il n'y avait pas de limite de temps pour retourner des produits, donc du coup je me suis dit bon bah quand j'aurai le temps je retournerai chez Sephora et je rendrai les produits. Donc moi j'arrive avec mon petit ticket chez Sephora toute contente en janvier pour qu'ils me disent et non, nous ne pouvons pas retourner les articles puisque cela fait plus d'un mois que vous les avez achetés et que la convention a changé. Je me suis dit bon c'est quand même bizarre puisque normalement les règles sont censées rester comme au moment où j'ai acheté le produit, mais bon bah ils n'ont pas accepté. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo avec ces produits, les tester avec vous et puis ben c'est parti. Donc les deux sets en question ce sont ceux-ci. Nous avons un set de la marque Tarte, donc c'est celui-ci où il y a un mascara, un blush et une huile pour le visage. Et ce set-ci donc de chez Anastasia Beverly Hills qui est un set pour les sourcils avec un gel et un crayon pour les sourcils. En soi le set de chez Anastasia Beverly Hills me dérange pas du tout puisque c'est un produit que je voulais tester, mais bon c'est vrai que j'en avais pas l'utilité forcément en ce moment, du coup c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé, mais bon nous allons tester ça aujourd'hui. Mais par contre ce set-ci vraiment c'est je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté. Déjà l'huile je ne vais pas l'utiliser dans cette vidéo puisque je ne compte pas mettre d'huile sur mon visage, à part si en commentaire vous me dites non mais vraiment cette huile elle est trop bien ou je ne sais quoi, mais je vous la garde pour un concours, ça c'est sûr. Je ne pense pas la mettre, je ne pense pas l'utiliser. Ensuite le blush elle l'air assez basique, mais bon pourquoi pas tester un blush de la marque. Et enfin le mascara j'en ai peut-être 5 qui sont ouverts et donc je n'en ai pas forcément besoin, mais bon c'est pas grave, on va quand même tout tester. Et puis j'ai fait d'autres petites trouvailles, il y a d'autres petites nouveautés que je vais vous dire pendant la vidéo, donc voilà c'est parti. Donc avant de commencer la vidéo je me suis crémé le visage et tout ça, donc je n'ai pas à faire tout ce qui est hydratation. Ensuite après mon hydratation je mets ma base et donc c'est celle-ci que je mets depuis que je l'ai, franchement je ne m'en passe pas. C'est celle donc de chez Miss W et je l'adore tout simplement. J'ai l'impression qu'elle fait une barrière protectrice entre ma peau et le maquillage et ça c'est trop bien, je la sens pas du tout, elle fait pas d'effet de matière, rien du tout, donc c'est trop bien. Ensuite après ça j'applique donc mon fond de teint, ma bébé crème, ma CC crème. Et donc là j'ai une nouveauté à tester avec vous, c'est ceci que j'ai acheté chez Sephora en même temps que de vouloir rendre les fameux produits. Ce produit c'est la petite nouveauté de chez Herborian. Donc d'habitude moi j'utilise ceci, donc c'est la CC crème de chez Herborian qui est donc blanche. Et quand on l'applique elle se transforme à la couleur de la peau, elle se pigmente. Je la trouve super bien, elle ne laisse pas d'effet matière, juste elle fait notre teint en mieux, donc ça c'est trop cool. Et donc ils ont sorti cette gamme-ci qui est la CC Water à la Centella. Donc c'est un gel teint frais perfecteur de peau. Donc moi je prends toujours la teinte claire hein, puisque bah, c'est celle qui me va. Et en fait c'est hyper particulier, donc la vendeuse me l'a fait tester en magasin et en fait au niveau de la texture c'est vraiment un gel. Donc en fait c'est totalement transparent et il y a des billes à l'intérieur. Donc je sais pas si vous allez voir, si ça va faire le focus. Fais le focus. C'est comme ceci, c'est vraiment des micro-billes, donc c'est en train de se barrer, donc je vais l'appliquer. Mais donc c'est fait pour faire un teint un peu plus allé, donc notre teint en mieux, mais en plus de ça, allé. Donc franchement, je l'ai essayé donc sur la main en magasin et c'était trop bien. Donc là vraiment au niveau du bas du visage, j'ai vraiment l'impression d'avoir gagné en couleur, donc je vais continuer à appliquer en haut. Donc voilà au niveau du teint ce que ça donne. Alors ça ne corrige pas toutes les imperfections et tout ça, on voit encore mes imperfections. C'est plutôt un sublimateur de teint bien évidemment. C'est pas du tout un fond de teint, c'est pas fait pour être ultra couvrant ou ce genre de choses. Mais voilà, ça fait un teint beaucoup plus allé et je trouve beaucoup plus en meilleure santé. Donc franchement je suis fan et on le sent pas du tout sur la peau. Trop bien, j'adore. C'est au même prix que ça, donc bon quand là c'était le petit format, mais vous voyez le gros format de ça et celui-ci c'est le même prix. Ensuite bien évidemment j'utilise mon anti-cerne de chez Tarte, donc c'est le Shape Tape. Je l'ai en teinte 22N Light Neutral.
Et ensuite, pour estomper, j'utilise toujours un beauty blender, sauf que là, mon beauty blender, vraiment, il est mort de chez mort. Et donc, franchement, j'en avais marre de tout le temps acheter des beauty blenders parce que ça coûte une blinde. Et Lucille m'a parlé de ces petites éponges qui viennent de chez Jiffy. Elle en a 4 pour le prix de genre 3€ ou 4€, quelque chose comme ça. Donc ça vaut largement son prix. Et franchement, au niveau de la texture, c'est franchement quasiment la même chose. C'est un tout petit peu plus dur, vraiment, mais un tout petit peu que le beauty blender, mais c'est nickel, hein. Enfin pour le prix et tout, moi je pense que je ne reviendrai jamais au beauty blender, donc voilà, pour moi c'est cette éponge-ci, elle est trop bien. Pour la poudre, j'utilise toujours la même, c'est la Airspoon de chez Coty. Je suis toujours autant unanime, c'est une poudre qui est légère, qui va unifier le teint et qui va faire tenir le maquillage vraiment toute la journée, donc je l'adore. Je pense que vous le voyez pas forcément en caméra, mais ici j'ai une sorte de tache de sécheresse où bah du coup les produits s'agglomèrent un petit peu. Et la poudre a vraiment estompé la zone et du coup on dirait plus qu'il y a de zone de sécheresse, donc c'est super cool. Ensuite un petit coup de bronzer avec le California Beaming de NYX. Et donc maintenant c'est parti pour le test de ce kit avec le blush. Donc je me rappelle même plus... Ok, c'est emballé dans un petit pochon comme ça. Enfin non, du papier de soie, pardon. Et nous avons les 3 produits. Donc c'est vraiment minuscule, hein. J'ai payé ça 30 balles. C'est tout petit, mais bon, j'ai conscience de ma bêtise, ok. Juste par contre, j'étais persuadée que le packaging de ce mascara était en tissu ou en cuir ou en faux cuir ou je ne sais pas trop quoi. En fait, là, c'est du plastique. Donc dites-moi si vous lavez ce mascara en grand format. Est-ce que c'est vraiment du plastique ou est-ce qu'ils l'ont fait en tissu quoi. Donc bon bah ça je vous le laisserai pour un concours hein, mais voilà c'est tout petit aussi. Oh c'est trop mignon hein, mais vraiment c'est tout petit quoi. Et donc voici le blush. Je pense que il va être trop clair pour moi. Je suis dégoûtée, mais après il paraît beaucoup plus clair en caméra que ce qu'il est en vrai. En fait c'est un bois de rose, mais vous le voyez vraiment un peu cher, mais je pense que ça devrait le faire. On va voir, on va tester. Au niveau de la pigmentation ça va, on voit de la couleur sur le pinceau, donc c'est pas si pire. Après il est quand même un peu poudreux. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais moi je vois rien. On va remettre une bonne couche. Ah là c'est bon, mais là c'est trop. Ok ouais, donc au niveau de la pigmentation c'est là, franchement c'est juste que j'avais, je sais pas, j'avais fait un petit peu, je n'avais pas mis assez le pinceau dans le produit, mais franchement au niveau pigmentation on est là. Au niveau de la couleur ça me va totalement à mon teint, c'est donc une sorte de bois de rose, effectivement super joli, mais non franchement j'approuve totalement, c'est beaucoup plus foncé du coup hein. Et en plus de ça c'est une couleur que j'aime beaucoup, c'est un blush que je vais réutiliser, ça c'est sûr. Donc au final pas trop déçue de mon achat, ça va. Au niveau de l'highlighter j'utilise le Mary Luminizer de chez The Balm. Bon et ben là du coup j'ai une tête un petit peu plus colorée, ça fait du bien. À la fin de mon teint j'utilise toujours ma petite brume de chez NYX. Donc c'est un spray fixateur de maquillage, il est excellent, franchement moi je l'adore. Et donc c'est le fini velouté, donc un peu fini mouillé tout ça parce qu'il y a des gouttes sur l'emballage. Et donc maintenant on est parti pour le deuxième set. Donc pareil je ne l'ai jamais ouvert. Ah il y a une étiquette, il y a une étiquette en plastique. Bon je passe par en dessous parce qu'il y a une étiquette de l'autre côté. J'ai carrément défoncé la boîte, ça m'a saoulée. Mais du coup nous avons le Browiz en teinte medium brown. Donc je ne sais pas si c'est ma teinte, hein. On tentera et puis on verra. Et puis donc le gel à sourcils, donc le Clear Brow Gel. Ça c'est quelque chose que je n'utilise pas
Pas du tout, parce que j'en ai eu un chez Kiko que j'ai détesté, vraiment, c'était pâteux, la brosse était hyper grosse et tout. Après, j'ai eu celui de chez Benefit, j'en ai eu deux de chez Benefit, donc le transparent, j'ai pas aimé non plus. Encore, je le trouvais un petit peu trop pâteux, et ensuite, j'ai eu l'autre, donc le coloré de chez Benefit, et celui-là, j'ai adoré, parce que le matin, t'as juste à mettre ça, et puis t'es même pas obligé d'utiliser un crayon à sourcils. Mais bon, là, du coup, je pense que le gel, bah on va ouvrir. Mais je pense que le gel est transparent, donc peut-être que... Ouais, bon, on voit absolument rien, mais bon, du coup, je pense que le gel est transparent. Donc ça, c'est une miniature, et ça, je pense que c'est la taille normale, hein, puisque il est vraiment super fin. Donc d'un côté, nous avons la mine. Et de l'autre côté, nous avons un goupillon, voilà. Eh bien, c'est parti! Je ne vais pas parler pendant que je ferme mes sourcils parce que je suis pas du tout une pro. En plus de ça, en ce moment, je sais pas, niveau épilation, je sais pas quoi faire de mes sourcils. Ils sont pas du tout symétriques, ça me saoule. Si vous avez des astuces pour épiler les sourcils, dites-le moi parce que moi, je sature. Par contre, ce qui me fait flipper, c'est que vraiment, la pointe est toute petite. J'ai jamais eu des pointes aussi petites. Donc, j'espère que ça va pas casser. Donc pour l'instant, ce que j'ai à dire, c'est qu'il est vraiment facile d'application et d'utilisation puisqu'il n'est pas trop gras. Il est moins gras que celui de chez Benefit. Moi, donc j'ai pas forcément l'habitude puisque j'utilise celui de chez Benefit principalement. Mais pour l'instant, voilà ce que ça donne. Au niveau de la couleur, je pense qu'on est pas mal. C'est un tout petit peu plus chaud que mes sourcils, mais ça me dérange pas du tout. Et comme vous pouvez voir là, mes sourcils, ils sont en pointe. Oui, bah je ne sais pas quoi faire de mes sourcils. J'aimerais bien qu'ils soient un peu plus carrés ici, mais bon, voilà, peut-être qu'un jour ça poussera, je ne sais pas, mais moi ça ne pousse pas à cet endroit-là, voilà. Bon allez, c'est parti pour l'autre côté. Bon, je sais pas du tout si... Attendez, je vous recule un petit peu. Je ne sais pas du tout si j'ai donné la même intensité à mes sourcils. Mais bon, en tout cas, ils sont faits, ils sont là. Maintenant, nous allons essayer le gel à sourcils. Donc ça, c'est un produit que je n'utilise pas du tout. Donc ça veut dire que s'il y a un coup de vent, mes sourcils se retrouvent à Paris. Mais bon, avec ça, j'espère que ça va fixer de manière extraordinaire mes sourcils. Donc j'essaye de regarder vraiment de très près s'il y a un souci de matière ou quoi que ce soit. Je n'ai pas l'impression, ça fait briller un petit peu. Mais bon, ça c'est normal puisque c'est un gel, donc il faut le temps que ça sèche. Et je trouve que au niveau de la texture, bon j'ai l'impression d'avoir les sourcils collés là actuellement. Mais sinon, j'ai pas non plus cet aspect matière, ce truc qui est gluant ou je ne sais quoi de tous les autres gels à sourcils. Donc franchement, bravo, j'aime beaucoup. Donc bon, pour ce kit, comme je vous l'ai dit, je suis pas du tout déçue de l'avoir pris, je suis même très contente et ça je ne regrette absolument pas. Et je pense que la couleur du coup medium brown, c'est la couleur qui me convient. Enfin dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez, mais personnellement je trouve que c'est plutôt pas mal. Et du coup nous allons finir avec le mascara, donc je sais même pas ce que c'est Light Camera Lashes de chez Tarte, voilà. Donc nous allons l'utiliser, je connais pas du tout la brosse, je ne connais rien de ce mascara. Hop. Ok, on dirait qu'il y a déjà des pâtés. Je connais pas du tout ce mascara, je sais pas du tout ce que les gens en pensent, donc je vais tester, je vais voir, hein. Peut-être que je vais adorer. Après moi j'ai vraiment les cils qui sont assez longs, assez fournis, donc s'il fait rien, c'est qu'il y a un souci. Bon, je suis pas conquise. Franchement, il fait rien. Juste, il met un petit peu de noir, mais il allonge pas, il recourbe pas, il met pas de matière de volume ou quoi que ce soit. Alors, est-ce que j'ai un défectueux? Est-ce que ça a complètement séché? Je ne sais pas. Est-ce que... Il y a marqué quand même mascara 4 en 1, donc 4 en 1, ça doit faire au moins volume et longueur. Enfin, je ne sais pas, mais dites-moi, on va essayer en... J'ai replongé le pinceau, donc on va voir.
Ok, bon, là il y en a un tout petit peu plus, mais franchement, non. Non, je suis pas du tout satisfaite du résultat. Enfin, moi j'ai des longs cils, j'ai des cils recourbés, j'ai tout pour qu'un mascara fonctionne. Donc s'il ne fonctionne pas sur moi, je ne sais pas sur qui il fonctionnerait. Je n'ai pas vu beaucoup d'avis sur le produit, donc peut-être que c'est parce que, bah, effectivement, il est pas ouf, voilà, je suis désolée, mais non. Ça, moi, quand on me regarde là, j'ai pas l'impression d'avoir du mascara. Non, je suis pas satisfaite de ouf sur ce produit. Bon, et bien voilà pour ma vidéo de test de mes nouveaux produits. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez les produits que j'ai testés. Dites-moi en commentaire si vous les aimez, si vous aimeriez tester ces produits-là aussi, si vous ne les avez pas encore testés. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous !